tranquillement installé dans son fauteuil de finaliste, et bien de savoir quel sera son adversaire le 11 février prochain. Ce sera dimanche soir sur les antennes de Bein, évidemment. On va un petit mot rapidement sur le match qui s'est déroulé avant. On sait que les Sud-Africains avaient une arme fatale, c'est leur gardien qui a été brillant lors de la dernière séance de tir au but. Et Arthur Masuaku qui va frapper ce corner, entrant au premier poteau. Et le deuxième consécutif, c'est Sébastien Haller qui a mis ce ballon hors de danger de la tête. Ouais, il a bien fait, vous avez vu la trajectoire rentrante, quasiment au premier poteau de Yaya Fofana. Et sur chaque coup de pied arrêté. Hein. Attention, les ballons captés. Attention, c'est mal capté. Et l'ouverture. Non, il y a faute. Ah non. Ah ouais, il y a faute. Ouais, bah il s'en sort super bien, Yaya Fofana. Ouais, je le demande à voir parce qu'il y a la prise de balle de Yaya Fofana dans un premier temps. Qui ne maîtrise pas ce ballon. Ouais. Attention, c'est pas Kangou hein, qui l'avait regardez, là il l'a pu. Ah ouais, c'est ça. Frappe dans les mains. Oui. Ouais. Bon, encore une bonne première alerte pour les éléphants. Oui. Avec Franck Caissier. Ouais, bien joué, Franck Caissier qui a pris l'espace avec Seko Fofana. Et il a vu Simon Adingra côté gauche qui va aller évidemment provoquer, c'est sa position préférentielle. À Simon Adingra, le centre et le premier corner ivoirien, le voici obtenu par Simon Adingra. Adingra qui fait lever les foules hein, dans ce stade. Un passement de jambes, le crochet derrière. Ça c'est bien fait ça, ce décalage. Le centre de Singo, deuxième poteau Adingra. De Lionel Passy, il est monté haut. Simon Adingra. Il y a un bon travail fait sur ce côté droit avec un jeu à 3. Ce sent très bon. Adingra qui monte. Et la bonne passe là qui casse les lignes. Pour aller chercher Kakuta. La frappe pied droit de Kakuta. Détourné, freiné. Et finalement, sans souci pour Yaya Fofana. Mais elle est écrasée, cette frappe. Écrasée, ralentie aussi par la même occasion. Moutoussamy qui remonte ce ballon, balle au pied, le crochet de Moutoussamy, c'est bien vu. Le ballon dans la surface, dans la position de hors-jeu. Et l'arrêt énorme de toute façon de Yaya Fofana. Mais je pense qu'il y avait position de hors-jeu. Alors pourquoi c'est pas signalé? Une fois que l'action a été jouée, est-ce qu'on va revoir, hein, mais là non, mais sur la tête oui. Oui. Et dans ces cas-là, il faut signaler. Mais oui. Il faut signaler tout de suite. Il va chercher au deuxième poteau Willy Boli pour remettre ce ballon. Ballon dégagé directement sur Jean-Michel Seri. La frappe de Seri renvoyée encore une fois. Je trouve que ce coup franc n'a pas été très bien frappé. Singo. Et qui va pouvoir ajuster son centre pour Haller. Oh là 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 là, comment il a raté ça. Oh, Sébastien Haller qui manque le cadre. Il était pourtant seul à hauteur des 6 mètres, Robert. Ah, une position qu'il adore. C'est bien joué déjà sur le côté. Ce centre, et il est tout seul, tout seul. Bien joué pour Franck Caissier, la frappe. Oh, pour le poteau qui vient sauver Lionel Passy. Oh, elle était sèche cette frappe. Ballon qui n'a quasi pas tourné. Et c'est encore sur une touche, hein, cette petite déviation de Gradel. Frappe coup de pied, vous avez vu. Tendu, mais qui prend une trajectoire un petit peu extérieure. Elle est sèche, hein, oui, il n'a pas du sèche, tout le ballon. Rectiligne, mais qui prend, bim, va taper l'extérieur du poteau de Lionel Passy. Face à Ghislain Conan, les passements de jambes, mais chaque Elia, ballon renvoyé de la tête. Moutoussamy sera le premier devant Seko Fofana. Bogonda dans la surface. Petit filet. Et la frappe qui termine, petit filet extérieur. Premier ballon pour Théo Bogonda et premier frisson dans la défense ivoirienne.
ce qu'il arrive à faire, éliminer Seri. Et ensuite, Ndika qui ne veut pas commettre la faute. Directement dans les gants de Lionel Passy. Voilà, elle est repoussée par Lionel Passy. De caissier repoussé par Lionel Passy, suppléé par Moadingra pour le frapper au second poteau, et Ndika qui ne trouve pas le cadre. Là, il sort Fingo qui décale côté droit avec Gradel. Ouais, Gradel qui est passé, le centre de Gradel, la volée de Alain. Julien, sur le débordement, c'est Max Allègre-Adel, elle avait encore le coup de rein nécessaire comme il avait à l'époque. Et bien finalement, oui, il l'a eu, ce petit espace. Vous allez voir qui va venir fixer, centrer. Et puis, la volée, c'est pas la plus académique des volées. Mais elle est diablement efficace pour avec le rebond, lobé Lionel Passy, qui ne peut que constater les dégâts. À la volée topée, oui. Qui vient lobé Passy dans la foulée. En pivot avec Singo, là où il y a de l'espace, Singo qui est seul, qui va pouvoir progresser. Oh, le bon ballon dans la profondeur pour Bamba. Bamba qui redresse et ce sera un corner. Est-ce qu'il doit pas frapper avant le dribble, Jonathan Bamba? Ah, quel bon ballon, l'appel est bon. Là, il aurait peut-être pu piquer son ballon. Il perd complètement ses appuis. Et c'est Enoki Longa qui va mettre ce ballon en corner. Oh,
froid rageur de Franck Kessié vers le public. Vous avez entendu hein, la réaction des tribunes d'Alassane Ouattara. Il reste 20 secondes. Ouais, Singo, évidemment, qui se pose pas de questions, loin devant. 10 secondes. Et c'est terminé, la soirée cauchemardesque du 22 janvier face à la Guinée équatoriale est définitivement oubliée pour les éléphants de la Côte d'Ivoire et pour le peuple ivoirien. Alassane Ouattara peut exploser. La Côte d'Ivoire va disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez elle, ici, à Alassane Ouattara. L'affiche de cette 34e CAN sera Côte d'Ivoire, Nigeria. Je voulais savourer cette joie, voilà, cette communion avec son public et son équipe.